Bonjour et bienvenue sur Kaligis TV. Aujourd'hui, nous continuons Styx Master of Shadow. Donc dans le précédent épisode qui a été relativement court, hein, bah ouais, c'est la première fois que je fais aussi court sur Styx, qui a duré que quelques minutes finalement. Hop là. Oui, je sais pas vraiment à quoi ça sert ça. Bah, on va arrêter de faire mes muses. On a vu que notre plan qui avait été trouvé, on avait tué notre indic qui en fait était depuis le départ avec Styx. Avec le vrai Styx. Et donc du coup on devait trouver Kerberus. Kerberus, pas comment dire. Avant que le vrai Styx le trouve. Donc en gros notre but est d'aller flinguer le clone quoi. Enfin flinguer le vrai pour rester le seul et unique. Voilà, j'y suis dans la Oh putain. J'y suis dans la salle des fresques. Non mais il m'a pas entendu là. Voilà, je me suis mis en silencieux. Ah. Allez, tant pis. On va l'assassiner discret, c'était pas prévu. Ah, ça a pas foutu le why. Il va plus ou moins silencieusement. On entend pas, nickel. Là, il y a toujours que ça. La salle des fresques, je suis dans une salle des fresques. Ah oui, d'accord, c'est au-dessus. Ok, bon. Bah écoutez, on va y aller doucement. Hein. Alors pourquoi je l'assassine pas discret? Parce que sinon, je vais me prendre les deux autres sur la gueule. Pour peut-être le garde aussi. Ah, pas me plaire, quoi. Est-ce que je peux monter par là? Oh non, mais je peux monter carrément par là. Hein. Mais et oui, je suis déjà venu là en plus. On revient dans le dans les anciens niveaux quoi en fait. On revient dans les anciens niveaux, c'est pour ça que j'avais cette impression de déjà vu. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'ancien épisode, j'avais effectivement parlé de ce truc là qui faisait bizarre, qu'on se demandait qu'est-ce que ça pouvait être. Bon, et avançons alors. Hop là. Petite sauvegarde, hein, au calme. Tac. Je vois pas vraiment l'intérêt du mécanisme qui protège un autre mécanisme qui protège un mécanisme. Shit, it's a trap. Un clone peut pas passer. Ah si, il peut passer là. Allez, vite. On t'a dit le clone. Alors, revenir à ton créateur, ok. Ah voilà, c'est bon, j'ai pu partir. On va détruire le clone du coup. Hop là, petite pièce, mais à la limite je m'en fous par contre. La fiole d'ambre qui est derrière m'intéresse. Oh merde, téléphone, à tout de suite. Remue tes amis YouTube, oui désolé, il y a eu un léger souci. Mais enfin bon, voilà, comme j'attendais ce coup de fil. De toute façon, a priori on va enchaîner les cinématiques. J'ai activé le trap. Go get it. Well, what's left of it? It could have been dangerous. A little bit more and it might have reached the viaduct. But it wasn't so clever in the end, was it? Well done. The biter's been bit. Oh, the biting's just begun, my friend. Right. This viaduct. It's worth a look. Ok, donc maintenant, il faut aller au viaduc. Je sais pas ce qu'il faut retourner. Ouais, bon, de toute façon là c'est un cul-de-sac. C'est sûr, donc on va te filer au viaduc. On va courir. On va sauvegarder déjà. Puisque vous avez vu ça. Par où il faut. Ouais, enfin. Théoriquement si je dois aller par là, faire refaire tout le tour. Ce sera pas forcément nécessaire. Moi comme je disais, je regrette que dans le jeu, les scarabées là, ils attaquent pas les humains. Et inversement. Ça serait plus logique. Hein. Qu'est-ce qu'il fait?
en train de vomir ou il refaisait peut-être son lacet. Bon, a priori, c'est le moment où je peux descendre, en espérant que je ne fais pas peur de vie. Ok. Ah, comment il m'a entendu, quoi? Is someone there? Ouais, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Understood. No, there's nobody. Ok, bon, je suis descendu là à l'arrache. J'espère que je ne vais pas le regretter. No, there's nothing. Hop, vision d'ambre. Est-ce que j'ai quelque chose pour remonter? Oui. Nickel. Je suis pas allé n'importe où quand même. Bon. Hop, petit coup de sauvegarde. Oula, c'est qu'il y a du monde ici. Écoutez, hop, on va passer là. Théoriquement, je suppose que ça va me permettre de les éviter. Et en fait, non, ça me fait aller dans l'autre sens. Ok. Pas le bon chemin. Toi, si tu restes un petit moment comme ça, ça m'arrangerait. Ne bouge surtout pas. Voilà. Ton pote, il voit rien. Voilà, ça c'est fait. Hop. Non mais sérieux, je l'assassine devant lui et il voit rien du tout. J'éteins la torche, je me fais gauler quoi. Non, 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 non. He's been killed. Non. Found nothing suspicious. I reckon I'm waiting until tonight to see if he hasn't left any interesting bits and pieces in his workshop. Apparently, the place is guarded non-stop. Bon, on va sauvegarder là. Owain's not around. I should be able to find some valuable items in his workshop. Might be worth a look. Oh, do you remember Captain Ozcan? He was amongst the first volunteers in Arkadash. On va continuer l'histoire, c'est plus intéressant que d'aller récupérer deux popos et une connerie. Apparently not. It seems he deserted. Où son refroidisseur de boules? Ok. Styx, you're next on the list. I'll find Querberus's lab before you do. Ok, donc là on est quand même dans la partie 3 sur 4, donc du coup c'est le nouvel épisode. Donc du coup, ce que... Ah mais attendez, j'ai même pas eu le temps de faire mon speech d'au revoir. Donc du coup on va mettre en pause. Voilà, donc du coup j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des remarques et des commentaires dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye mes petits amis YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye.